La dernière partie, ça sera les pièces métalliques. Voilà, ceci. Pensez à ça. Je vais reprendre ça, je vais faire une copie. Je vais convertir en éditable polygone. Puis, je vais prendre juste cette surface-là. Je n'aurai pas besoin de tout ça, je vais sélectionner 5%. Voilà. Maintenant, je supprime le reste. CTRL-I pour ceux qui utilisent des raccourcis, d'accord? Comme d'habitude, pour ne pas succomber dans des problèmes, je rallonge ça pour faire un CTRL-INSET. Voilà, je dessine mon inset ici par exemple. Voilà, je supprime le reste. Ah, décocher ça. Voilà, je supprime tout ça. Puis j'aurai besoin de la ligne intérieure. Je sélectionne ça. Puis je crée une ligne. Create shape. From selection. D'accord, je supprime ça. Maintenant, je vais utiliser cette ligne-là. Peut-être que je devrais séparer les lignes. Alors, je sélectionne le spline et je fais détache. Voilà. Maintenant, j'ai deux lignes indépendantes. Est-ce que je pourrais réutiliser la... Non. Il faut que ça soit plus petit que ça. Tant pis. Je vais utiliser la sphère. Hémisphère. C'est trop grand, ça. 1, ça suffit. D'accord. Et voilà. Je n'aurai pas besoin de tous ces segments-là. Ça, c'est largement suffisant pour moi. Maintenant, je sélectionne la ligne. Je n'aurai besoin que de ça. Alors, je sélectionne la pièce métallique. Puis, je vais sur Tools, Align, Spacing Tools. Voilà. Maintenant, je sélectionne ma ligne. Je vois ici, vous devez regarder le nombre 3, puis regardez la ligne. Vous trouverez une pièce métallique, 2, 3 pièces métalliques. Une au milieu et 2 au début et à la fin. Moi, j'aurais besoin de, je ne sais pas, combien de pièces? Je vais regarder encore. Ah, c'est une à côté de l'autre. Il n'y aura pas d'espace. 50, non, c'est encore plus. 80, non, c'est encore plus. Je dirais 100. Oh non, c'est encore plus. Je dirais 150. Regardez ça. C'est pas mal ça. Bon. Je vais essayer 176, c'est suffisant. Alors, cliquez Apply. Et refaites la même chose sur cette ligne aussi. Voilà. Cliquez sur Apply. Regardez maintenant ce que ça fait. Voilà.
Voilà, maintenant votre canapé. Pour les hémisphères. Voilà, je vais choisir la même couleur, jaune par exemple. Ben. Allez, au revoir, bonne nuit, bye bye.